Madame, Monseigneur, Madame la Première Ministre, Madame la Présidente d'Atomium, Madame Echevine, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, chère équipe de l'Atomium. La Belgique et Bruxelles sortent pour pas cadencer d'un long confinement temporaire. Ces semaines d'inquiétude et de deuil pour les familles des victimes de la pandémie du Covid-19, auxquelles je veux d'abord évidemment adresser toutes mes condoléances, nous ont aussi privés des plaisirs de la ville. Depuis quelques semaines, les activités reprennent peu à peu, même si la vigilance est toujours de rigueur. Bientôt, je l'espère, Bruxelles pourra accueillir à nouveau les visiteurs qui en apprécient ses richesses nombreuses. Vandaag is het Atomium, dit symbool van Brussel bij uitstek, dat na een lange geforceerd slaap zijn deuren weer voor het publiek open. Quand l'Atomium s'ébroue, c'est tout Bruxelles qui s'en arrive. Et reprend vie, bien décidé à étreindre l'avenir. Comme cela fut d'ailleurs toujours le cas dans le passé quand Bruxelles se relevait de catastrophes sanitaires ou de guerres dévastatrices. Tourisme, un de gros événements qui het hele jaar de worden georganiseerd, dont de Brusselse économie leve. We dragen ook bij aan de reputatie van de stad op het gebied van de gastvrijheid. Excellentie van haar ambachtlieden en de kwaliteiten van de diensten aan bezoekers. C'est dire qu'avec la réouverture de l'Atomium, nous voulons marquer un nouveau commencement, conciliant les nécessaires précautions sanitaires et la relance économique de la ville, dont le statut de capitale de l'Europe lui confère en même temps une obligation d'exemplarité et encore certaine. Votre présence, que je salue, Madame la Première Ministre, montre aussi l'importance de la collaboration étroite entre les différents échelons de pouvoir pour une réflexion ordonnée et donnant rapidement des résultats encourageants. Lors de sa construction pour l'exposition universelle de 1958, il était prévu que l'Atomium serait démonté au terme de celle-ci. Sa présence, aussi familière qu'indispensable dans le paysage bruxellois, en fait désormais la vigie de notre ville. En ouvrant ses portes aujourd'hui, l'Atomium nous délivre un message d'optimisme que nous faisons nous. Après la tempête, l'horizon se dégage. Œuvrons donc tous ensemble pour que l'éclaircie soit durable. Je vous remercie. Non, tu restes avec